Il fait encore nuit et la température est glaciale. Suspendu à une grue, Alain Roche égrène des notes de piano. Un énorme challenge pour ce pianiste, hissé à 80 mètres au-dessus du sol. C'est très tentant de regarder en bas, de profiter, parce que j'ai une vue de fou depuis là-haut, de profiter de voir la ville, mais c'est très déconcentrant. Donc c'est le plus simple, c'est vraiment d'entrer à fond dans la musique. Et comme j'ai un rapport avec j'entends tout ce qui se passe sur la Terre, avec les micros d'ambiance, j'ai l'impression d'être complètement en lien avec la Terre tout en étant dans les airs. Concentré sur son jeu, Alain Roche aime s'immerger dans l'heure bleue, cet instant magique entre la nuit et le jour. Avec la complicité du grutier, il tournoie avec le piano spécialement transformé pour l'occasion. Alors, c'est effectivement ce que je cherche avec cette œuvre, c'est d'amener de la poésie, parce que je pense qu'elle existe dans le chantier, elle est là. Je ne fais que la mettre en lumière en quelque sorte, ou en mélodie. Et je trouve que le piano vertical, il avait cette ambition-là, d'amener de la poésie et de faire voir au public ce côté brut, mais qui est poétique. Alors que le jour se lève, le chantier de la future salle de concert de Munich s'anime. Le vacarme des ouvriers et des machines se mêle à la chorégraphie. Je suis ravi et peut-être que le fait d'amener dans les constructions, puisque ce site va donner une salle de concert réputée, d'amener des notes de musique au moment où on est en train de construire les fondations, je pense que c'est un symbole qui peut aussi apporter quelque chose aux futurs spectateurs de cette salle. Avec ses premières notes qui résonnent au-dessus du chantier, Piano Vertical participe aux fondations musicales de la future salle de concert.